impossible de dormir avec lui, c'est grave. C'est le deuxième soir. Impossible. Je peux dormir où là? Je peux dormir où? Wesh. Je suis puni, genre. Les frérots, c'est tonton Démonexion avec Nadimo. Nadimo, il dort encore, les frérots. Les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances se passent bien, ok. Nous, on est encore en Espagne. Nadim. Bonjour tout le monde. Il a la tête dans les fesses. Wesh. Là, on va se réveiller tranquillement avec Nadim. On va aller chercher les petits déjeuners. Après. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Après, on va à la plage. Après, on rentre, on mange la paella. Les gars, qui a déjà fait une vidéo randonnée sur YouTube? Personne. Donc, je me suis dit, il fallait qu'on en fasse une. Enfin, Manu? Ouais, j'étais croissant. Donuts. Ah, bah ça y est, t'es réveillé. Allez, c'est parti, les mecs, on se réveille, on y va. Mimi. Mimi, les petits halouf. On a vu ton frère hier. Il est énorme. Il est énorme. Les refs, regardez, regardez au fond, c'est un vrai cochon. Sissou. C'est comme ça qu'il filme les livres. On va chercher des croissants, vous vous réveillez tranquillou. J'ouvre la fenêtre parce que sinon vous allez jamais vous réveiller dans le gros sac. Hop là, la petite vue qui fait plaisir. Et les mecs, on se réveille. Et Nadim, on y va? Tu mets tes chaussures, on y va, mec. Si ça, c'est pas du réveil. On n'est pas bien là? Toi, tu te poses là. Exactement, vas-y, pose-toi. Avec ton petit café là. Exact. Bah tu sais quoi, je vais faire ça. Allez, c'est parti les mecs, on prend la voiture. Let's go to the Lidl. Se brosser les dents, c'est important. Eh mec, j'ai pris un petit chewing-gum, comme ça je me lave pas les dents. Là, on va sortir la poubelle. Il faut se brosser les dents tous les jours. Conseil, plutôt de se laver les dents, vous pouvez prendre des chewing-gums. Chewing-gum, ça t'enlève l'odorat un peu de la bouche. Voilà. Tu racontes toi. Et laver les dents, c'est pour se laver les dents. Vas-y, go. Ouais. Maintenant, vous savez tout pour exceller au niveau du brassage des dents. On va se rendre au Lidl, on va vous filmer quand on est au Lidl. Ciao, ciao. Allez go, on prend la petite Citroën les mecs, et on va acheter des croissants. C'est ça qu'on est arrivé au Lidl, notre meilleur ami de la semaine. On passe notre vie, j'ai l'impression, au Lidl. Mais ça fait plaisir, heureusement qu'il est là. C'est parti mec, ouais. Qu'est-ce que t'as envie mec? On arrive au Lidl les gars, et d'acheter quoi? Des petits croissants. Ouais. Des mini croissants. Des mini croissants. Au chocolat. Au chocolat. Et des donuts. Des quatre, donuts. 4 pour chacun. Vas-y mec, c'est toi qui choisis, c'est bon? Ok, un donut. Ok, un donut. On commence. On commence. Le donut, il va dedans. Ok, deuxième donut. Ensuite. Encore un donut? Troisième donut pour Nadine. Yes. Celui-là il est bon. Les pains au raisin les mecs. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment pas. Hein. Moi j'aime beaucoup trop ça les refs. Avec ça. Croissant nature? Ouais. Croissant nature. On prend les croissants chocolat un peu? Évidemment. Bah je pense qu'on est bon. Hein. Ouais. C'est bon, on va à la voiture. Ouais. On va payer. On va aller à la caisse et puis on va aller réveiller les gros. Parce que je pense qu'ils sont encore en train de dormir. Ouais. Allez, c'est parti les mecs. On est à la maison. Hop là, ils ont laissé la porte ouverte. J'en ai été sûr. Ouais, voilà. Zizou réveillé. Et Rémi le gros cochon qui est encore dans son lit. Tu dis bonjour aux abonnés s'il te plaît. Hola, ¿qué tal? Oh, bien. Tu es un espagnol? Si, si cabrón. Un espagnol. Bueno, est-ce que tu as bien dormi, Zizou? Je vais te fumer que comme ça aujourd'hui. Je vais mettre tous les choses. Vas-y Nadim, fais une petite présentation. Et aujourd'hui, journée sportive. Au Maroc, on a fait une journée de musculation, une petite matinée de musculation que t'avais échappé, sale chien. J'ai pas bougé. Rémi, on t'attend pour la séance des muscles. Aujourd'hui, on va se faire un peu de musculation et l'après-midi, un peu de randonnée. C'est bon? Allez. Bon, les mecs, j'ai fini de faire la présentation et vous montrer. S'il y a des gens qui parlent, c'est normal, il y a des propriétés publiques. Ma présentation. Petit croissant. C'est stylé, hein? Non, les mecs, c'est stylé. Maintenant, on va les attendre. Et prenez une image de photo. Allez, je vais vous montrer mon traps. Il est incroyable, hein? Les mecs, je me suis fait des petits œufs, on va sortir directement. C'est quoi ce bordel là? Ouais, les gars, t'as dit quoi là? Oh, Zizou! Tu veux à manger, mon pote? Il y a un canard devant la porte. Mais je fais quoi avec ça, frère? Tu veux ton café? Laisse-le rentrer, ouais, dans le lit de Rémi. Laisse-le rentrer.
Laisse-le rentrer, gros, comment on le sort après. Laisse-le rentrer. Mon rêve, il va dans l'île de Rémi là-bas, là, le gros porc, il va pas se réveiller. Mais quand il y a un canard ici, vous, c'est normal là, vous dites rien. Wesh. Il veut m'attaquer. Wesh. Il tue, hein. Mange quoi ça? Ça mange quoi? Du pain. Des œufs. Ouais, vas-y, frère, moi je vais manger, ça y est, laisse le canard là, gros. Voilà, ça c'est de l'assiette, mon cochon. La présentation, c'est des croissants, des œufs. Sapin. 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 Sympa. Dans la vie, faut être sympa. Non, wesh. Frérot, c'est un ouf, lui. Genre, tu vas te faire attaquer par un canard, là. Chez toi, en plus. Genre, dans ton domicile. C'est les canards espagnols, ils ont pas peur, je pense. On a eu un nouveau compagnon de route. En plus du halouf et du canard. Un signe, après, il va voir. C'est un canard, c'est pas un signe, c'est un canard. Un canard, et après, tu vas voir quoi? Un crocodile? Non, peut-être, je suis pas cabra. Ce soir, peut-être. Rémi, espèce de gros porc, t'as juste du chocolat autour de ta bouche, t'es content. Ouais, c'est ça, que des frères. Oh, c'est ça. Découvrir la série. Exactement, la série. Bye. Les mecs, une matinée pleine de péripéties. On finit de manger et après, go faire une séance de musculation. Comment ça, il dit, c'est pas. Zizou. J'ai une idée, frère. Viens, avant d'aller faire la muscu, il y en a, il est au milieu de la salle. Il a les yeux bandés. Il a un truc pour frapper et les autres, il doit l'esquiver. Ah, ce truc, est sur TikTok, quoi. Non, ouais, t'es chaud ou pas? En vrai, y a rien à faire, je m'ennuie. T'as rien inventé, là. Shifumi, si t'es chaud. Shifumi. Tu veux que je te défonce? Mec, j'ai une proposition. Mais si tu veux pas le faire, on le fait quand même. En gros, tu vois les TikTok, c'est pas une proposition. Ouais, mais au cas où. Tu te rappelles, tu vois les TikTok où il y a un gars au milieu, les yeux bandés, et t'as les autres autour, ils doivent l'esquiver, tu vois. Mmh. Avec un truc qui fait mal. Enfin, ils doivent essayer de les frapper, et l'autre, ils doivent l'esquiver. Avec quoi on se frappe? Ça où? Parce que je vois rien cacher. Dans la chambre? Mmh. Ah ouais, dans la chambre. Allez, c'est bon, chiche, vas-y. Mmh, mmh, mmh. C'est pas un truc pour esquiver la salle? Quoi? Après, c'est musculation et paella. Non, pas paella, j'en peux plus. Paella. Et après, on va faire une chasse au trésor, je vous ai organisé un truc. Chasse au trésor dans l'eau. In the water. Okay. Et après, c'est paella encore. Non. Le soir, c'est paella. Rémi, t'as eu l'idée? C'est toi qui commence. Rémi, tu fais 5 tours et t'y vas. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, tu peux y aller. Tiens, si c'est là-bas aussi. Vas-y Rémi, retrouve le balai, t'abuses. Arrête-la moi. C'est juste de pas le droit de les toucher. Fini pour Rémi, tu veux tuer, gros. Tu l'avais par terre. Terminé pour Rémi, qui va? Moi. Nadjim? Ouais. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir où est la personne. Vas-y, t'es reparti, 5 tours et c'est parti. 2, 3, 4, 5, c'est parti.
Run. Il m'a mis un coup dans l'orteil. Le lit, mais dernier. Allez, Zizou. Attends, Zizou. Objectif, on termine la game sans avoir explosé la pièce, c'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, on va analyser la chambre. Là, il y a le lit là. Ah, là, il y a personne. Ah lui j'ai bien défoncé. Ok. Check dans l'armoire. Ok. Là il y a du bruit là la team. Il y a du bruit là. Là Théo. Théo. Il y a un mec là. Il y a un mec là. Il y a un mec là. Oh oui! Regarde où c'était gros! C'est qui j'ai touché là? C'est lui que t'as allumé! Et toi t'as un gros chien dans ton cou! À un moment j'avais retenu Rémi et en fait on était comme ça! T'as mis un coup frère! Tu m'as défoncé la casquette! Mais toi pourquoi tu t'es fait comme si je m'as protégé gros chien! J'ai pris la diff en bouclier! À moi les mecs! Allez! Non! Allez à moi c'est parti! Obligé mon pote! Allez j'y vais! 1, 2, 3, 4. Oh c'est chaud. 5. Lâche. Non mais j'ai rien, j'ai pas le droit. Il appelle tout. Ok j'entends, c'est bon j'entends. Les gars on m'appelle l'avatar. Ça c'est la fenêtre. Il s'est smashé un crâne là. C'est moi là. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin? C'est la fenêtre, c'est la fenêtre. C'est la fenêtre. Lâche. Lâche. Mais je suis où là? Ah. J'arrive plus loin à me repérer, frère. Tu m'as mis un coup dans la tête, un coup dans l'épaule. Tu m'as mis un coup dans le keg. Nadine, il est trop facile à toucher. Sur ce, c'était une bonne game. Zizou, je t'ai touché? Ouais. Bon, les mecs, j'espère que vous avez bien aimé le jeu. On a failli péter toute une pièce. Et t'as failli péter
mon crâne. J'ai pété un crâne aussi. Dommage, j'ai pas réussi à péter le crâne de Nadim. Mais c'était cool, c'était cool. Oh là là, c'était chaud. Après l'effort, le réconfort. Là, j'ai beaucoup travaillé à la muscu, là, donc petite pause, tranquille. Et en même temps, je vais avancer sur mon son. Tu vas vraiment faire un son? Gros, je vais faire un bête de son. Tu fais pour Zizou? Ouais, ouais. Je fais dédicace à Zizou. Un truc d'amour. Bah, c'est chelou pour toi, c'est ton frère en fait. Faut qu'on fasse un clip. Nadim. Il a créé une chanson pour Zizou. Ouais. Ça veut dire que là je vais chanter. Je décale sur la piste comme si j'étais une flore, alors que mon plus gros souhait était écrit dans mon malheur. Dans la vie, il y aura des hauts et des bas. Mais t'inquiète pas, regarde pas ce qu'il y a en bas là. Je ne sais pas quoi dire. Tu m'as tellement touché. Mon cœur est emprisonné. Et tu ne sais plus quoi faire pour le libérer. Mon Zizou, je t'aime tellement que tu me rends fou. Ton odeur me fait nettour. Ton corps de SDF me fait tourner la tête. Après, je vais réfléchir parce que là, j'hésite encore sur des autres paroles. Mais en vrai, combien sur 20? Deux. Les mecs, normalement là vous devez juger de fou. Mais non, parce qu'avec l'instru, elle va tuer sa race la musique. Vous allez péter votre crâne. Mais ça marchait. Le canard il est là. Ah, tu crois que j'étais mort là? Oh, il fait un bruit. Je vais l'apprivoiser. Moi, je vais lui donner un prénom. William. Tu essaies de le caresser. C'est une honte. Ouais, bon, William. A plus, mon pote. Bon, les mecs. Rémi, petite paella ou pas? Non. Pas de paella? J'ai pas faim. Zizou, paella ou pas? Après. Ok, pas de paella, Nadim? Non. Pas paella? Non. Ok, bon, les mecs, pas de paella. Go à la plage? Go à la playa. Eh ben, go à la playa. Let's go à la playa, les mecs. À la playa. Bon, les frérots, on a préparé une petite chasse au trésor, les mecs. Vous vous rappelez les détecteurs de métaux, les refs? Eh ben là, on a des Scuba Tector Pro. Ok, je vous explique ce que c'est les Scuba Tector, les frérots. Ce que vous voyez là, les frérots, ça s'appelle des Scuba Tector. Donc c'est nos petits potes, la maison de la détection, les gars, vous les connaissez déjà. On avait déjà fait une petite vidéo avec eux où on avait fait une chasse au trésor. Et là, du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer des petits Scuba Tector. Donc je vous les présente là. Ce qui va être incroyable, les frérots, c'est qu'on va pouvoir faire de la détection, mais sous l'eau cette fois-ci. Ce qui est vraiment top, les frérots, c'est son large disque qui va pouvoir couvrir une belle surface au sol, tout en restant très puissant pour pouvoir dénicher le moindre petit objet. Et les gars, moi, ce que j'ai vraiment kiffé et si j'ai pu l'emmener avec moi, c'est qu'il est pliable et qu'il prend très peu de place. Ce qui est vraiment top, les frérots, c'est qu'on peut le transformer en véritable détecteur des plages grâce à un adaptateur qui va venir directement se fixer sur la poignée et qui va permettre de fixer une canne ou un manche. Donc avec ça, les frérots, vous allez pouvoir détecter sur les plages avec une très bonne performance, mais également dans l'eau. Il dispose de deux modes, les frérots. Il y a un mode sous-marin avec un mode plongée qui s'active à partir de 10 mètres. On peut bien évidemment ajuster la puissance, qui est ajustable sur 4 niveaux, et il dispose de 3 modes audio, vibreur, son ou vibreur plus son. Ça peut être pas mal, les gars, si jamais vous êtes dans l'eau tout ça et que vous entendez pas, et ben le mode vibreur va vous sauver. Vous avez la présence d'un petit écran de contrôle à LED qui va vous donner les indications qu'il faut. Un petit indicateur bien évidemment du niveau de charge de la batterie. Et une bonne poignée, les frérots, ergonomique dotée d'un bon grip qui va vous faciliter la prise en main et son maintien. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site internet, les frérots. Bien évidemment, tout est dans la description comme d'habitude. Et merci encore à la maison de la détection pour leur matos de fou furieux. Les mecs, c'est parti. Du coup, personne n'a voulu de la papaye là. Non. Donc les mecs, là, rendez-vous directement. On va aller à la plage. Puis les mecs, ce sera à vous de jouer. Hein. Vous rappelez vos compétences de chercheur de trésors? Ah Rémi, 2 centimes, incroyable, c'est la première pièce, bien joué mec. T'inquiète. Ouais, et bah c'est parti. On est en train de se diriger sur la plage. Les gars, je me suis fait une remarque. C'est quand même une dinguerie. On a été au Maroc, hein. On a été en Espagne. Là, on arrive quasiment à la fin du séjour. Il nous reste quoi, 2 jours? Les gars, c'est la seule fois qu'on va à la plage. Et c'est même pas pour se baigner, c'est pour chercher des trésors. Le One Piece existe. Regardez Rémi s'il vous plaît les gars. Regardez cet homme. C'est une galère dans tout ce qu'il fait. Regardez-le. C'est quand même une dinguerie, frérot. On a profité d'aucune plage. La seule plage qu'on a profité, c'était l'année dernière en Tunisie. On a pas besoin de ça. On a la plage à Dijon. Donc faut y aller. Les mecs, on est en train d'essayer de trouver un petit spot là pour installer le parasol. On va se mettre vers les gens, les mecs. C'est là où il y a les gens qui ont perdu des trucs. Juste un truc, Nadim, je te précise. Tu vas pas dans les affaires des gens. Tu faut chercher dans l'eau. Non, mais attends, on sait jamais, frère. Donc, tu fais des phases de sgeg, ok? Tu vas pas détecter dans le sac des gens, tu vas détecter dans l'eau. Allez, on y va, les mecs. On se rapproche. Là, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti, on se pose là, les mecs. On met notre campement ici. Les mecs, j'ai voulu prendre un tapis dans la maison pour poser par terre. Quand la meuf, elle me disait que c'était pour les bébés, je crois que c'était vraiment pour les bébés. Amy, plante ce parasol. Ça se voit, les gelées, il y a personne qui se baigne. Et elle va faire du bien de fou. Ah, j'espère. Hein. Dans 10 minutes, il y a embrouille. Attends. Voilà, allez. Oh, wesh, c'est un truc pour faire des photos. Ah, non. Ah, je suis tué, mon pote. Petit test, ok. On est dans l'eau, on dit qu'on est dans l'eau. Ouais. Tac. Oh my god. Mais non. Attends, mais dans l'eau, on va pas entendre le bruit ici. Qu'est-ce qui est bien avec ça? C'est que quand ça sonne, attrape. Attrape. Voilà, oh, dingue. Eh ouais, mec, ouais. Ça vibre. Ça vibre, main, mec. Ma main. Prenez vos masques, s'il vous plaît, on va à la chasse au trésor. Les mecs, regardez-moi ces 3 BG.
Regardez-moi les mecs, on dirait la pâte patrouille. Ah, ça brûle, ça commence à brûler pour Rémi. Oh, wesh, ça brûle les gars, ça brûle. Oh, ça brûle, ça brûle. Je suis avec Nadim, les autres ils ont fait demi-tour. Nadim, elle est bonne ou pas? Elle est gelée, c'est pas bon. Elle est gelée. Regardez les mecs, Nadim il a Scubator. Essaye de le passer devant toi déjà, voir là si ça donne. Non, pas sur toi, par terre. Si ça sonne, ça veut dire qu'il y a un truc, Nadim, c'est bon? Et ça y est, Nadim il est chaud. Ça, t'as pas besoin de regarder, t'as pas besoin de regarder. Les mecs, je crois qu'ils ont abandonné. Les gars, il faut nager. Elle est trop froide. Hein? Non, mais on peut pas. Non, elle est bonne, elle est bonne. Comment on fait une toise là? Mais non, elle est bonne, frère. Frérot, elle est trop froide. Jamais je rentre là. Il faut me rembourser mes vacances, bordel. Non, mais là, je dépense trop. La paella m'a coûté trop cher. C'est pas que je t'aime pas, mais là, c'est. La paella, il faut me trouver au moins un bracelet Fendi. Non, ça va, elle est bonne, wesh. Je suis dedans. Les mecs, en vrai, elle caille sa mère. Elle est congelée. C'est impossible, frère. C'est pas une mer, c'est. Jésus est en train de chercher, mais il passe pas le Scubinator. J'ai un truc. Bah, l'aigle du crabe, si. C'est vraiment un crabe. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? J'ai trouvé des poissons, man. Nadim, je veux pas des poissons. Il a allumé ton truc? Je crois pas, non. Il est même pas allumé, Nadim. Comment je peux me trouver un trésor? C'est parti, Nadim. Nadim, allez. Par la chasse. Mais tu sais que c'est trop chaud de boucher son nez. L'objectif c'est de me trouver un trésor, c'est pas de savoir comment nager. Les mecs, Rémi, je sais pas ce qu'il a au fiac. Je sais pas, il a le fion tout noir. Zizou, il est en pleine recherche, les mecs. Autant vous dire que je pense pas que ça sera très rentable. Hein. Je crois en leur capacité. C'est trop froid. Je crois en leur capacité. Bon, il y a Rémi qui a froid, mais j'y crois, les mecs, j'y crois. Bon, les mecs, ça dit quoi là? Il y a un problème. Il y a un problème? C'est trop chic. Déjà, on a trouvé un petit crabe. Ça va pas payer les vacances en Espagne. En fait, quand tu viens vers ici, là, elle est chaude. Ouais. Quand tu vas là-bas, tu vois. Avec Rémi, on n'arrivait pas à aller sous l'eau, genre. Sinon, on va de l'autre côté de la plage, sinon. Hein. C'est un peu chaud, tu penses? Bah, peut-être, si les gens ils ont tous pissé dans le même coin. Vas-y, on tente, venez. Les mecs, on va changer de spot. D'après les chercheurs, c'est un problème d'endroit, donc on va changer. C'est ça, hein, je vous écoute, moi. Vous faites confiance, du moins que vous payez mes vacances, c'est bon. Ok, parfait. Il y a plus de monde, qui veut dire plus de monde, qui veut dire plus de pipi, qui veut dire plus chaude. Aussi, ouais. Ok, allez, c'est parti, les mecs, à vous de jouer. C'est à toi de nous trouver un truc. Ok. Parce que regarde les autres gogoles, regarde l'autre, il a de la chala sur ses fesses là, je sais pas, il a été où. Je compte sur toi, Zizou. Rembourse mes vacances, bordel. C'est okay, bon. Ok, vas-y, okay. Parfait. Ok. On voit rien dans le. On s'en fout, t'as pas besoin de voir. C'est ton détecteur qui a besoin de toucher, Rémi. C'est vrai, t'as raison. Voilà, merci. Voilà, Rémi, fonce, petit lapin. Voilà, ça y est, Rémi, en action, les mecs. Voilà. Bon, les refs, après, je leur ai mis des GoPro sur la tête. Je suis pas sûr qu'on voit grand chose dessus. Très, très trouble. Ah, depuis tout à l'heure, ça bip. Je creuse, je trouve pas où c'est. C'est cet endroit. C'est cet endroit que j'ai cherché. Je l'ai perdu. Zizou, Zizou, moi, je sens qu'il y a un truc. Cherche. On dirait les chiens qui cherchent les truffes. Allez, Zizou. Je suis avec les deux chasseurs. Zizou, il a une poche qui ressort. C'est la chienneté. Nadim, il est là. C'est toujours son fiac qui remonte. À chaque fois, ça bip. Je creuse et il y a rien. Allez, Nadim, allez, cherche. Cherche, Nadim. Il a pas compris lui, hein. Non, mais non. Je vais un peu trop chercher. Ouais, bah arrête de chercher. Mec, t'as trouvé quelque chose ou pas? Mais je vais t'expliquer. Oh, mais vas-y, frère. C'est à cause de Nadim. En gros, il y avait un truc. Eh, vas-y, vous me cassez la tête. Je m'en fous. Frérot, est-ce que t'as quelque chose? Non, mais ça bipait, Nadim. Vous avez pas trouvé un seul truc là? Non. Pas un truc. C'est à cause de l'eau. Cherchez encore un peu. C'est à cause de l'eau, ouais. On devrait enlever l'eau. Viens, regarde, je vais faire des ricochets. Des quoi? Des ricochets. Quoi, des ricochets? Tu jettes et ça fait des rebonds. C'est. Deux. Ricochets, vas-y. Ok, un seul. Nul. Les petits, c'est le meilleur. Mais faut pas prendre des ronds. Ok, un. Ok, un. Deux. Plus un, merde, Nadine. Bon, les frérots, on rentre de cette journée plage. C'était un peu catastrophique. En fait, les refs, là, on était sur le point de partir et il y a une dame qui nous a attrapé. Elle nous a dit, faut pas venir dans cette plage. Ouais, elle a dit, c'est la pire. Elle nous a dit, cette plage à Malaga, elle est éclatée. Ok, on nous a dit qu'il fallait aller à Huelva. Voilà. Ok. Wesh, heureusement qu'on est monté dans la voiture. C'était la police. La dame elle nous a dit qu'il fallait aller soit à Huelva, qui est après Cadiz. Et en fait, elle a dit Malaga, c'est l'une des pires. Et on l'a vu, les gars, parce qu'il y avait à peu près que des cailloux. Du coup, c'est pas votre faute, donc c'est pas grave si vous avez pas remboursé mes vacances. Mais là, en rentrant, on va faire une randonnée. Peut-être que là, on va trouver quelque chose par terre. J'aime bien. Peut-être on va trouver quelque chose par terre. Allez, c'est parti. Ou peut-être les chupacabras. Peut-être les chupacabras. Bon, les mecs, on vient d'arriver dans la maison là. Là, regardez, il y a qui nous accueille. William. Il est où là? Willy. Foutez le camp. Cassez-vous. Ça y est, on arrive à l'appartement. T'es prêt, mec? La randonnée, c'est le moment, mec.
ce soir, c'est la randonnée. On va aller voir les deux autres, je crois qu'ils sont en train de taper un petit tennis, tout ça, tranquillou. Ouais, mais qu'est-ce que... Frère, il est encore là, le canard, là. Tu vas te détendre. William, casse-toi. C'est un ouf, lui. Vous faites un petit tennis. Première, il va à 3 points, et après, on va vous faire une randonnée, c'est bon? Ok, c'est parti. Ok, 1-0 pour Rémi. Ok. Ça sort, non, elle est dedans. Ok. Ok. 1-1. Bien joué, Nadim. T'es vraiment nul à chier. Attention. Attention. Allez, 2-1. Mais vas-y, mais il a quoi, lui? Je peux, moi aussi. Panier. Attention. Attention. Nadim qui renvoie la balle, elle est dedans. Et ça fait 2-2. Attention, attention. Nadim qui renvoie. Allez dedans. Attention Nadim. Attention. Non, elle est sortie. 3-2 pour Rémi, victoire. C'est le moment d'aller choper Chupacabra. Je vais sortir, frérot. Oh, frérot, il y a William encore. C'est William. Il a changé d'apparence aussi, c'est pas le même skin. Si, c'est le même skin, frère. Il est passé par où? Passage secret. C'est parti Zizou. Ah Zizou, il a remis les skins. Ouais. Vas-y, attendez. Il a mis le skin originel. Voilà. Je dois aller faire un truc 2 secondes. Ok, vas-y, va faire. Nadim, tu te prépares? Ouais. Bon, vous êtes prêts les randonneurs? Ça s'appelle comme ça? Ouais. Les mecs, aujourd'hui. J'ai ma gourde là. On part à l'aventure. Ok, t'as raison. On va à l'aventure, les frérots. On va à l'aventure. Chacun a son piquet. J'ai le short spécial randonneur aussi. Oui. Oui. Fares William. Oui, tu es sûr. Fares William. On a de rigoler. Faut qu'on se dépêche, sinon les cochons ils vont sortir. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Les halouf, les halouf. William, il est posé. Ouais, ciao, William, à tout à l'heure. Garde bien la maison. Tiens, moi, on a pris des piquets, frère. Comme si, genre, on en avait besoin déjà. Mais c'est où qu'il faut aller, les gars? Là où le vent nous mène. On va là-bas. On se fait confiance. Mais frérot, t'es sûr que c'est là-bas? Tu peux nous faire confiance là où le vent. Bah non, justement, non. Mais frérot, ils ont dit qu'il y avait un parc naturel, qu'il fallait pas aller à l'extérieur, abandonné, protégé. Nadim, la perche, elle est plus grande que toi, frérot. C'est pas comme ça que ça s'utilise. Mais là, on va monter les Brest, là ou quoi? Je comprends pas. Ta tête, les Brest. Inoxtag. Tu fais pas ça, toi. Tu fais pas ça, toi. Inoxtag. La honte, Inoxtag. Par exemple, sur nous, là. Regarde. Le mec, il a pris un bâton, il est plus grand que lui. Est-ce que ça, tu vas gravir les Brest en Air Force One? Non. Voilà. Je crois pas, non. Là, c'est plus trop des Air Force, ouais, là. C'est vrai. C'est des Air faibles. C'est ouais, c'en est où, là? Hein? Je pense que c'est avec ça qu'ils arrosent tout notre jardin, les trucs comme ça. Allez, attends. C'est à quelle heure que Chupacabra il sort? Histoire qu'on sache quand il fait ce qu'il veut. 21h30. 21h30? Donc je mets 21h15. Ouais. Oui. 15, c'est bon, c'est mieux. Alarme 21h15. Let's go. Viens créer un chant. Non, vas-y, tais-toi. Non. Allons-y, nous let's go. Sommes les Demon Squad et nous allons gravir les Brest. Nous sommes les Nadim. Demon Squad et tiens, nous prends ce bâton, allons gravir les Brest. Regarde, c'est lui qui va nous la taille. Nous sommes les Demon Squad et nous allons gravir les Brest. Allez, chante avec moi. Nous sommes les Demon Squad et nous allons gravir les Brest. Tu veux pas la fermer, toi? Eh mec, apprécie un peu cette vue. Hey. Oh, il y a des mangues. T'es sûr c'est des mangues? Frérot, il t'a Chupacabra, tu penses? Viens, c'est de gravir, tu peux monter le tout là-haut. C'est ce qu'on va faire. Et Chupacabra! Super! Là par contre on est bloqué. Mais non les mecs, regardez, y a un passage là sur la droite. Allez, c'est parti. C'est un passage ça? C'est un passage, oui, j'en connais. Ouais, c'est un passage. Là-bas, y a un passage. Les crottes du Chupacabra! Mais arrête. Oh, elle est dure. Elle est dure? Elle est vraiment dure. Elle est vraiment. Ouais, bah c'est bon. Rémi, j'ai kick caca. C'est bon. Ok. On te suit, Rémi. Allez, c'est un chemin. Il y en a pas le droit. Il y a pas de chemin, il y a plus de chemin, je crois. Il y a plus de chemin, les mecs. Il n'y en a jamais eu, je crois, déjà, de base. Bien joué, Nadim. Nous sommes la Demon Squad. Et nous. Bien. Elle est là-bas, la maison abandonnée. Il y a une maison abandonnée là-bas? Nord-Ouest 186. Mais arrête. Les gars, objectif, la maison abandonnée. C'est peut-être celle-là, la maison du Chupacabra. Allez, on y va. Là, regarde, il faut passer là. Regarde. La barrière, je crois que. Regarde, la barrière, elle fait tac, 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 et elle s'arrête là. Donc, faut passer par là. Tout le monde derrière les barrières, il a les, le Chupacabra. Venez m'aider, les mecs, il y a des trucs qui piquent le fiac. Regardez-moi cette vue, les gars. En vrai. Ça vaut pas tout l'or du monde, tout ça? Bien joué, Rémi. Nous sommes la Demon Squad et nous allons gravir l'Everest. Je te montre un truc. Quoi? Ah, t'as pris une gourde, t'as dit? Non. Ouais, mais vas-y, mais casse-toi, frère. Pourquoi t'as acheté de la Monster? C'est pour donner de la force. Mais tu vas faire un arrêt cardiaque, toi, avec ton corps, là, en merguez, frère. Hein? Que pour nous deux. Que pour nous deux? Les mecs! Arrête, il y a ça. Mais tu sais qu'il y a le chemin du retour aussi, j'avais zappé ça. Ça, j'ai peur, ça. On descend tout et on remonte de tout. Oh, notre maison, elle est là. Je pense que tu peux voir ici William. William, il est devant la porte comme d'hab. Si le grillage, il fait titititititit, ça veut dire il est électrique, non? Ouais, je me suis déjà fait électrocuter. Ouais, d'accord. Les frérots, on va trouver une solution et on va se retrouver sur le chemin là-bas. Ok, on va trouver une solution. Les mecs, est-ce qu'on abandonne la Demon Squad? Oui, d'accord.
Non. Jamais. Bon, les frérots, on vient de trouver un chemin pour y aller. Je crois qu'on est bon. Attends, il y a un panneau. Attends, il y a un panneau. Et je crois que c'est interdit d'y aller. C'est écrit DPH. Je crois que c'est une réserve naturelle, les refs. DPH, Union Européenne. Ouais, c'est un parc naturel ou je sais pas quoi, les gars. C'est une réserve naturelle. Je suis désolé. On pourra pas aller continuer faire la randonnée. Allez, on descend, les mecs. Ça fait une heure, elle est dans mon slip. Je voulais vous faire la surprise. Non, bon, ça va, je pense que tu peux. Fais-toi une surprise à toi-même là. Quand il y a des règles, on respecte. Mais pas dehors la loi. N'empêche que j'aurais bien aimé visiter cette petite maison abandonnée là dans les pierres là. T'entends ce que c'est? Je suis capable. Ouais. Ouais. Si vous voyez cette vidéo là, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. Si vous la voyez pas, vous savez ce qui s'est passé. Wesh! Wesh! T'as entendu là? Hein? Par les champs. Tu passes par les champs? Ouais, on entend un dernier bruit, je sprint! Wesh! Rémi, t'as ton caillou dans les mains? Oh, c'est toi qui as fait la blague ou pas? Non, je l'ai pas. Il est encore. Vite! Vous voyez là-bas là? Ils sont en train de prendre tous les chiens. Nadim, je crois qu'il y a un chien qui s'est fait grailler. Non! Je crois qu'il y a un chien qui s'est fait grailler par Chupacabra, c'est pour ça qu'il ramène tous les autres. Allez, viens. Regarde, tu es en train de les ramener. Ils ont peur, les chiens. Je sais pas ce qu'ils ont vu, frère, mais les chiens sont. C'est pour ça, ça fait 10 minutes, ils gueulent. Ouais, ça fait 10 minutes, ils gueulent. C'est partant.